Ouais, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Berenice Vargas Bravo. Je suis une étudiante d'origine mexicaine et je suis arrivée en France en 2017. Et depuis, j'ai fait toutes mes études supérieures à l'École des Beaux-Arts de Nantes, depuis la prépa internationale jusqu'à les Master 2. Et du coup, bien que je travaille avec différents types de médias tels que les sculptures en métal, l'installation et la performance, mon médium privilégié, c'est la peinture. Et du coup, c'est à travers celle-ci que j'essaie de faire une figuration avec une dimension critique et qu'ensuite, je viens l'intégrer à l'espace, soit par la peinture en grand format, soit à travers ces structures ou des installations que je viens poser ensuite. Et mon projet, il a évolué depuis les débuts. Au fur et à mesure du temps, je pense que j'ai gagné pas mal d'autonomie. Et je pense que c'était vraiment grâce à l'aide des techniciens à l'intérieur de l'école, notamment Nicolas au sein de l'atelier métal et aussi Céline et Sabine aux ateliers bois et céramique qui ont m'aidé pas mal à avancer et à trouver des maturités à l'intérieur de mon projet. Et je pense qu'en général, cette école, c'est bien pour gagner de l'autonomie en tant qu'artiste parce que c'est à toi de choisir ton parcours. C'est toi qui as intégralement les contrôles de ton horaire, de comment tu gères ton projet. Je pense que c'est assez intéressant parce que à la suite, pour le vrai monde de l'art, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut être 100% autonome. Donc je pense que c'est déjà un bon... c'est bien que depuis la licence, depuis toujours, on est encouragé à faire ça. Voilà. Pour la suite, je vais aller à l'école, une école de beaux-arts de Chicago, de School of the Art Institute of Chicago. J'étais prise pour faire un master là-bas, MFA in Painting and Drawing. J'ai hâte de commencer mes études là-bas.